Minasan, c'est parti! Voilà, je recommence pour la dernière fois. C'est parti, collection Square Enix. Une grosse partie ici, mais l'autre partie dans le salon. Ouais, dans le salon, il y a FF7, il y a Kingdom Hearts, Ambition, tout ça. On verra après vite fait. Vous avez vu, c'est pas vraiment, mais bon. Là, c'est pas ici, c'est pas, je peux tout faire un salon, mais je n'ai pas envie de bouger tout ce qu'il y a dans le salon. Il me paraît, ça va prendre trois plombes. Ce sera ici, comme ça. Ça va être long, parce qu'il y a vraiment du lourd à montrer. Hein. Voilà, tout ce qu'ils ont dit, c'est ici. C'est maintenant. Je pensais pas à la vidéo, on s'est fait tout ça, Decidia, mais c'est pas mais j'ai fait tout, non? C'est parti. Session 2020. Collection. Tout ce qu'Alex. Ça va prendre une heure pour tout filmer au moins. Je sais pas que tu fais ça en japonais et en français aussi. En français, bon. Voilà, c'est parti. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Asseyez-vous confortablement sur votre chaise, du moins pour la première. C'est parti, c'est maintenant. Waouh! Ouais, c'est bien. Tout de suite, je vous laisse. Installez-vous. Allez, hop, comme dit Marcel. ワールド・オブ・ファイナル・ファンタジー。光栄テクモゲームス。チーム忍者。ディシディアファイナルファンタジー。Bon, j'ai posé la caméra de hauteur, c'est pas grave. Bon, bah, c'est parti, je vais montrer comme ça. Je prends du bas, je prends du bas jusqu'en haut. Donc, ça va être comme ça. Donc, je commence dans l'eau, j'y vais comme ça, je vais tout commencer. Alors, les deux petits guides que j'ai acheté il y a quelques années, un an ou deux, enfin, même pas, enfin, c'est récent en réalité. Donc, les Nier Automata, les Moi Guide et les Sage Guide. C'est une française, tu vois, je crois que c'est fait en France par Omega Book. Non, même pas, c'est fait. Enfin, oui, c'est pas du tout Omega Book. Oula, c'était des erreurs de parables, en fait, voilà. Par Kuropop, voilà, Kuropop, pardon, voilà, donc c'est pas été par la définition de. Bon, c'est un jeu, j'adore, c'est. Pour moi, ni de bâtard, c'est le meilleur jeu que j'ai fait depuis très longtemps, il y a vraiment pas mieux, c'est pour dire. Alors, c'est Nier Automata, bon, j'ai fait assez rapidement, une couture rapide dans l'eau, mais assez. J'ai pas trop mettre les yeux, j'ai vu très rapide quand même. J'ai pas trouvé trop bon dans la vidéo. Moi, donc là, c'est le guide, et le road guide de l'Union Fantas sorti. Écoutez, il y a 20 euros pièces, mais même. Pas plusieurs mains, le guide, je ne vais pas vous montrer. C'est ça, vous l'avez déjà vu quand j'ai fait avec le Pokémon 7. Le petit guide, alors, F7, c'est ce que vous avez déjà vu, j'ai pas vite fait, le code message, avec un petit book, ça c'est sorti au moment où elle s'est installée, il y a quelques années. Et le spécial DVD, dedans, il y a une première vidéo dessus de FF13 Versus qui a dû sortir, je me compte pas, mais il a changé là. Je suis venu dedans. Il y avait le guide 10e anniversaire de Ultimate Gear sorti avec le pack potion, donc 7 play score. T'as le guide normal sorti en même temps, c'est fait. Et t'as le guide français sorti il y a à peu près un an, je pense. Le guide français, le plus de 6 élèves, je me dis, pour 29 euros.
ou 33 jours, je sais plus. Ça fait rire, c'est que je suis voilà. C'est bien, c'est bien rare. Et là, il faut encore, c'est bon, c'est pas, c'est les petits les chaussettes, c'est ça, c'est les huiles, c'est pas les huiles, c'est pas les huiles, ah, mais bon, voilà. Quand c'est rapide, donc ça va être rapide, ça va pas être long. Un truc mais assez rare, je pense, en France, et c'est le guide de Gunther japonais, sorti à l'époque, Gunther. Oui, Gunther, je l'ai découvert plus tard, je l'ai dit encore pour l'instant. Voilà, Gunther, c'est sorti à l'époque, j'ai pas mis à écouter 1800 quoi. Voilà, c'est un guide complet du jeu, design, voilà. Et c'est le jeu de baseball. De Squaresoft. Non, c'est vrai, à l'époque, je n'ai pas encore ce nom, je n'ai pas encore fini avec Enix. Donc c'était avant. Avant l'époque. Avant que j'ai fait la gueule. Enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est le guide book complet japonais Gunther, maximum. Voilà. Et j'ai eu le cas de l'avoir, j'ai bien côté. Dans le lot, je pense qu'il passe dans le côté guide, parce qu'après, je peux. Voilà. Donc il y a le guide Lightning Returns, ouais, le guide normal. C'est sorti un long jeu, il y a en 2013. T'as un guide anglais, parce que ma casque avait jamais français, le seul basé par Paris Dev. Voilà, un petit guide comme ça, sympathique. Paris Dev, voilà. Nicidia World Favorite, sorti un long jeu, je pèse, mais pas insupportable, sorti. Nickel, Valita, voilà. Pour moi, ce jeu-là, il est vraiment mieux que le nouveau Zelda. Bon, allez, c'est une histoire. Le Créer Score. Deux fois, c'est écrit score pour faire 7, 9. Vous savez comment j'ai acheté au moment sorti, un promo quelques mois après sortie du jeu, vous vous trouvez par terre, 2€ pièce. Mais maintenant, plus du tout ce prix là, c'est sûr. Et voilà, maintenant, et tu as choisi 13, le guide officiel à l'époque sorti, normal. Ah oui, c'est un peu plus rapide. Une vidéo de test avant, on fait partie. Je ne pense pas que je pourrais séparer. Pas une vidéo trop longue. Je vais voir tout ce qui est guide en bas. Je fais ça par étage. Là, c'est le guide FF13-13-2, le collector, sorti à l'époque. Voici le guide normal, pareil. FF13-13-2. Bon, ce guide est vraiment sur cette série magnifique. On va plus tard un rond, vous voyez le gros collector après. Voilà, ça c'est le guide. Allez, la dépêche. Ça fait un tournant parce que c'est vraiment. Il avait le Lightning, même le guide à la collector, le groupe guide sorti pareil, pour 29€. Mais là c'est le guide, mais là il vaut bien plus que ça. Voilà. Et voici le 13 normal, version pas américaine, parce qu'à un moment il est sorti, il était déjà épuisé. Mais donc assez, mais là, et puis c'est le seul genre qui est numéroté, je pense. Les autres non, évidemment. Mais c'est vraiment, il est numéroté, voilà, sur 2010 ampères. Voilà. Et là vous avez le guide FNZ 12, officiel sorti à l'époque, du lieu sorti, donc écoutez, 29,99€. Hein. Mais là c'est pas du tout ce prix là, je le confirme. Et maintenant le même guide s'intéresse. Donc si on fait cette 2, ça serait bien 40 balles, 29€, 50 plus cher de l'époque. Trop de guide. Allez, ils font tout en même temps, c'est pas caché. Et genre. Allez, j'ai vu le guide japonais, le guide français. Oui, j'ai le guide français. Oui, je l'ai gagné quelque part. Voyez. Donc c'est le Gunther, il est aussi le guide français, Squaresoft, à l'époque, vous voyez. Pas Big Ease, sorti. Écoutez combien? Si vous savez combien écouter, vous savez mal. 89€, je dirais 13,57€. On vient à 14€, quoi, à dire. Voilà, le guide français à l'époque. Hein, voyez, pas même design, pas même que japonais, c'est pas voir que c'est on voit guide français japonais, c'est vraiment plus de ma sauce quand même. Après c'est pas bien aussi, mais là, une sœur le guide. Le guide, moi tout à l'heure vous avez vu le deck, j'emballe, c'est le guide de collector chantier moment du remaster sur le PS4. Le guide, pareil, il est bien, nickel, je crois il est parfait. Ce jeu là, il est excellent, j'adore ce jeu, voilà, c'est hyper agréable. Après vous avez le guide du FFZ 15, c'est sorti à l'époque, puisque maintenant c'est le sérieux, parce que maintenant il est et il va plus à avoir ce qu'il y a dedans. Et pour finir, vous avez le 13, le 15 Cultor, le gros, à peine ouvert je pense, à peine, une fois pour le gros, nickel, bien état. Et pour finir, vous avez le guide en anglais, parce qu'il est le 7 en français, le guide de type 0, Final Fantasy, qui est très bien reçu, voilà, le guide de Final Fantasy. Voilà, donc c'est parti, c'est là, c'est fini, là-dessus en bas, chaque vidéo.
Et on se voit juste après pour la suite. Ici, les guides japonais ou autres guides collector. Allez, à tout de suite. Si tu oublies, c'est glissé dans l'eau. Hein. Je t'ai mis là. Moi, c'est le guide si tu oublies. Moi, c'est le guide normal du F7 en français. F9 qui me restait dans le coin. Avec 89 francs. Et même pas en euro, 9 francs. C'était, moi, c'était en 2000, donc c'est petit vieux. Voilà, le guide original de l'époque. Ouais, dans le même genre, le guide du 7, mais en anglais, c'était à l'époque aussi. Du 7, je crois, c'est 7 en anglais, vous voyez. Pour 14 dollars, là. Et tout à l'heure, j'avais vu le guide de Kill Score version ouverte. Dans l'autre version, qui est ouverte après la peine. Kill Score. Et pour finir, le FF 10 et 10 2 Remaster, sorti récemment, au moment du Remaster PS3 et Vita. Et PS4 aussi après, mais ça, c'est. Alors, c'était le petit oubli, et j'avais rajouté, de le faire, et c'est fait maintenant. Voilà, c'est parti, donc là c'est parti guidebook japonais. Voici maintenant la suite, le petit guide japonais. Au guide ou autre, ce qui est pas que ça, hein, de tout guide dans l'eau. Bon, soit du plus haut, parce que là. Ou bien non, parce que moi je là dans le coin et je finis par derrière. C'est pas vrai. Voilà, alors ici, le petit truc sympathique, le guide de Kingdom Hearts Multimania, à l'époque sorti, je sais plus misère. Voilà. Multimania avec Kingdom Hearts. Voilà, ça c'est fait. J'ai vu des j'ai pas là, mais c'est fait. Il y a des virus, c'est le guide de collector. Le guide de sortir SP2. Voilà. Du coup, j'ai fait ça sa peine. Hein. C'était pas ça fait. Le guide de FF13 Ultimate Machine Halo, Battle, Halo. Le 13, FF13, bien sûr. J'ai compris. Le FF13-13-2, le Ultimania. Ah, le Kill Score et le Ligue Dictionnaire. Quand on appelle les guides sur stratégie du FF13-7 Kill Score, sur le jeu de Mayans, assez allumé un petit peu dans le coin. Assez lourd. FF9, le guide de l'époque. FF9, Ultimania. Le guide sorti après le jeu, hein, bien après. Là, je veux dire, je suis sûr que c'était 2003 ou 2004 sorti. Non, 2002 sorti. Et voilà, 2002, donc c'était bien 2 ans après le jeu. Ce qui est rare, plutôt. Et le guide du 7, également, mais sorti après le jeu aussi. Si, après le jeu, c'est sorti en 2005, donc en quoi, bien après le jeu. Et là, vous avez le guide du 8, plus par contre, sorti avec le jeu. À l'époque du jeu est sorti, celui-là c'est fait d'ailleurs, c'est sorti en 49, donc c'est le 31 mars 49. Donc c'est après le jeu, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est pas sorti. Et puis, pof les cartes de Fondier, l'esquit du bureau. Voilà, petit cas pour ça le guide, alors c'était la moins de courant. Ça, c'est à côté, ça coûtait 1000 yens. Non, je crois que c'est coûté 1900 yens. Les postales de ça. Alors, je suis un peu plus, mais voilà. Allez, le bouchon, c'est le derrière. Donc, derrière, il y a pas mal de trucs. Ah, le front de tourner là, de là. Hein, parce que... Ça, c'est oui, après, c'est alors, vous avez ici le Ultimania 11-10-2. Ultimania. C'est un guide, après quand ça guide, coûte environ 1500 yens, ça dépend des fois du prix en neuf, hein, mais après le casque c'est moins cher. Ultimania, édité par Ben Staff, G-Cube, là, qui n'existe plus. À cause de. L'original de FF10-2, le FF10-X2, l'Attentat de Last Nation, du complet, qui sert à installer pour l'ambassadeur. Le Multimania Omega. Vas-y, ça c'est vraiment le dictionnaire, hein. Ça c'est petit dans. FF12, c'est le scénario Multimania. Scénario. FF12, Battle Multimania. FF12, voilà. C'est le guide des fous. Je pensais qu'il y avait un jour.
le guide complet de cette esquive qui va y avoir, complet pour le PC. Ça va être PC, non, c'est PC, c'est PC. Il y a pour, allez, pour environ 2000 yens, vous avez au moins, c'est pas 30 pages, j'ai pas vendu. C'est 845 pages. 845 pages, ouais. Je précise, c'est pas là. Le FFC 13, le Battle Toya. Le FFC 13, la Latin Tron, la Team Nitron de Tomania, complet. Il est tout en livre, mais le livre il fait pareil, il fait 2200 ml. Alors, quand plus, les méga, il est mieux. Le Free Score, Tomania aussi. Ça, c'est le guide, là, il faut tirer beaucoup de temps, il n'y a pas de temps en plus. Le FFC 13-2 Battle du Mania, voilà. La guide qui était pas grand chose mais qui est intéressant. Voilà, c'est un erreur rare, c'est un 9 mana du Mania. Mais c'est les années sorties à l'époque. C'est à l'époque, ça c'est vraiment beau. C'est sorti celui-là, je sais pas, 49. Le 9-7, non, c'est 9-7-49. Ah, le FFC 12 Omega Ultimate Battle. Bien lourd. Enfin, ça c'est des vrais dictionnaires. Lucidia. Lucidia. Deux fois plus, c'est ça. Ah, j'ai fait. J'ai cliqué la page, c'est génial. Grave. Lucidia, Ultimaya, sorti à l'époque. Et Lucidia, deux décimes, Action Side. Voilà. C'est écran. C'est 10-10-10-2 le guide Ultimania. Le guide de Remaster est intéressant. Voilà. Ah, les images. Ah, c'est vrai, mais je vais remarquer. Ah, c'est le FF10 et Ultimania Battle. Sorti à l'époque, c'est la seule époque à sortir. Hein, le PS2. Donc, c'était première version, je pense, première édition à l'époque. Ouais, le 2001, première édition. Ouais. 2001 sorti le coq quand j'ai sorti, d'ailleurs. Le FF10-2, le FC Guide. Je sais, mais ça se même pas. Et un guide, mais c'est Ascension, Last Hope, le 4. Guide complet, ça m'a aidé pour répéter à l'époque quand j'ai fait sur le PS3. Ouais. Et après j'avais des petits guides comme ça dans le lot. Je vais remettre. Finir là-dessus le guide, alors c'est parti. Alors ici vous avez le petit guide de Gauntlet, enfin guide de l'époque des derniers FF7 de sortie des jeux. Un guide comme ça, pour faire les jeux. C'est de l'époque que je garde. Alors, c'est ce qui reste à l'époque. Hein. Par exemple pour le FF8, pour les débutants, voilà, c'est offert, je pense, ou pas. Bon, là, c'est la 80 yens. C'était là. Ah, le vite est si bien. Et voici le même genre, le petit guide, je dis, c'est 10-2. Un petit guide de 9e. Ah, des petites, vous l'avez vu, le guide spécial avec tous les sauvegardes de Sky de l'époque, de Squaresoft surtout. J'ai vu le titre de 8 de Squaresoft, Squaresoft jusqu'à 99. Donc tout le titre, hein, c'est dans des sauvegardes spéciales, des jeux spéciales, des données, des documents intéressants, des boosters à fond, ça c'est le officiel. Et voici le petit guide, voilà. Un petit pamphlet de la choisie type 0. Voilà. Ça, c'est des petits. Là, ça s'appelle les Glyphiles. Glyphiles, c'est une Tiga. Voilà. Bon, ça. Voilà. Les deux, trois, là, classique. Vous avez des documents spéciaux pour ici la sortie. Là, j'ai sorti tout PSP. Voilà. Des cartes, voilà. Voilà. Ouais, pas mal ça, hein. Ça c'est mieux que le voilà. Il y a deux différentes. Hein. La même chose pour Chris Corps en sortie sur PSP. Ouais, bien ça. Ouais, ça c'est chiffre. Ouais.
pour finir quelques petits autocollants de World of que j'avais eu quand j'étais à Paris pour l'édicace avec Cindy et Simon. Voilà, c'est fini pour cette partie de Guide of the Winner en particulier. Voilà. Le reste, c'est au-dessus, juste après. Je me propose de me regarder. A tout de suite. Et voilà, à la suite. Bon, là, c'est la partie encore goodies. Là, c'est goodies, tout ce qui est là. Les jeux sur le dessus. Hein. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est goodies, entre autres, des petits trucs comme ça qui traînent. Voilà, par ça, les CD audio, tout ça. Voilà, donc commençons par ce qui est sous la main. Allez, ceci, c'est un jeu Platinum Game, mais c'est édité par Square Enix. C'est la petite figurine, le Nier Automata. Une petite figurine, donc on va faire des petites figurines, enfin. Je peux. C'est vraiment très, très joli. Petit assis Japon, même pas Assassin, même pas le Sonic, c'est pas des petites gacha, une boîte. Bon, je vais sortir les boîtes, ça va faire après. C'est les boîtes, voyez, c'est ça, une boîte, une deuxième boîte. C'est même, c'est random, c'est dedans, c'est. Et le bas, j'ai trois différentes. Enfin, c'est peut-être les mêmes aussi, mais bon. Une petite boîte comme ça. Sympatoche. Après, bon, Si c'est l'audio, je vais rester l'audio. Délicacé par Hugo Talo, et entre autres, le staff. J'ai vu ça, comment délicacer, facile. Facile, ben, simple, il faut être à Japan Expo, je lui dis. Et voilà, et acheter ce boutique sur X officiel. Oui, mais j'ai acheté à l'époque, elle avait 3 ans, 2 ans. J'étais par hasard, et évidemment, c'est possible. Voilà, une location dédicacée par monsieur. Ben, sur X, c'est spécial, parce que c'est comme le sur X, c'est pareil. Et là, j'ai. Je sais pas. C'est le petit, je voulais dire. Voilà. Dans le côté audio, parce que c'est pas facile du X, c'est le côté audio. Voilà. Dans le côté audio, on avait ici les musiques de. Si on dit. Les skits et les 10 euros, de façon PSP, voilà. Le guide du jeu officiel. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est les 10 euros, voilà. C'est ça. Voilà. Nice. Donc, quand vous avez. Les cartes là, pour ce soir, donc, après. Vous avez la musique du FF8, version encore extra spéciale. Sortie à l'époque de DigiCube, donc sortie. Voilà. Le musique officiel de l'époque, le jeu de soundtrack. Alors ça c'est mon ami qui l'a vu Mathieu, il fait dédicacer son coffret là, dans le coffret. Les cartes, ça c'est les mêmes cartes que j'ai eu dans le coffret européen à l'époque. Et ce sont, et je vais coller sur une carte de bois pour voir c'est le guide. C'est une musique restée complet d'époque, qui est peut-être assez rare quand même. C'est ça, j'ai acheté à la tête de game. Écoutez, 4 CD, écoutez, il peut cliquer dessus. 3689 yens. C'est avec. Non, c'est pris avec taxe. Ça, donc, ça fait environ à l'époque. Les 9 sortis, donc les yeux. Ça faisait aller voir la date de 39 euros, quoi. Voilà. Et c'était à peu près. Mais après, c'est dans l'époque, c'est pas plus cher. Alors là, ça met dans l'eau, prendre ce qui passe un peu la main. Le CD OST du Fuzzy 13, une 13 normale, sorti sur du jeu en 2009 et 2010. Voilà. Le jeu Walter, voilà. C'était une vidéo vraiment ouvrir de ce jeu, mais là, c'est à la vie du 13, on dit que j'ai là. Là, vous avez le l'autre box, le cassé aussi, voilà, bah, toujours, vas-y, je dis que, enfin, surtout FF7, DLC Bros, sur PS2, voilà. Et bah, c'est le petit dernier,
le feeling trail, la zone naturelle, c'est même pas mon coffret, c'est un petit coffret. C'est quand le coffret était plus grand, là c'est vraiment c'est petit, et là, c'est pas qu'ils sont foulés, c'est exactement même pas normal. C'est-à-dire que je pas foulé avec le doigt avant, après je me disais pas, qu'est-ce qui est passé entre temps hein. Il est bien aussi, mais voilà, il a plus fait un plus grand. Voilà. Le côté médical, c'est plus que ça. Mais bon, c'est un des trucs qu'on a dedans. Alors, on dit qu'il est assez connu, t'as pas du tout connu. C'est Xenogears, de son PlayStation 3 d'époque. Voilà, ça sort de 2 CD, 2800 yens. Voilà, Xenogears, DC Cube. Voilà, 2 CD. Ça, vous, c'est là, j'ai tout regardé. Dans le Crisis Core, le soundtrack par Takeshi Ishimoto. Non, c'est Takehalu Ishimoto. Faut pas tromper. Non, c'est pas pareil. C'est pas mal. Des fois, je trouve que des fois, les bonus, ça sent un peu. J'ai dit. Et là, t'as le set. Non, je me dis que Advent Children. C'est normal, le jeu. Voilà. C'est du film. Un jeu. Voilà. Et là, bien sûr, la musique du set ridicule de l'époque. Cette original ridicule, voilà. La télé. Et puis, alors, est-ce qu'ils vont sortir un pour chaque version du set remake ou un pour tous les. Je sais pas pourquoi faire ça parce que ils vont penser de tous les versions possibles. Et voilà. Et après, nous avons le FF9 qui me reste encore. L'époque du 9. J'ai tout gardé. Ça, c'est des époques que j'ai gardé. Hein. Ça, c'est. Mais. Pareil, c'était 3800 yens. Et là, pour finir, vous avez la musique d'Issidia, le premier sous PSP d'Issidia, je pense. Voilà. Après, vous avez des petits glisses qui traînent dans l'eau, je vais vous montrer vite fait. Des cartes, une carte, voilà, une petite clear file comme ça. Voilà, c'est de type 0, des skis sur du PSP. Après, au fond, vous avez ici, vous avez Odin, cheval d'Odin. Odin, il s'est perdu, il est mort, voilà, c'est lui le cheval de Odin, de FF8 bien sûr, voilà. Et là vous avez le Cerberus, pareil, il place sa tête durant un déménagement, je pense, le truc, par rapport à la tête de Cerberus, Cerberus, voilà. Après, d'autres guises dans l'eau, vous avez, voilà, ici des cartes à jouer, des cartes, une big qui est bien rare, j'ai pas dit la main, c'est Chrono Trigger, à l'époque, c'est sorti sur Famicom et sur PlayStation, je pense. Et après, sur DS, le figurine, il y a ça. Vous avez une petite figurine de monstres d'invocation. C'est celle-là, c'est celle de Siren. Ouais, Siren est là. Ouais. Fait fuite, on est 8. Il y avait des cartes postales FF8 du 8, il me reste à l'époque. Voilà, des cartes postales du 8, pareil, c'est 2 millions vendus, après, mais c'est écrit dessus. Et en petit bonus track, un petit truc qui est assez rare, je pense, mais non, c'est. J'ai ouvert, c'est ça, une magasin qui est déstocké. C'est des fantasy tactiques figurines, c'est chez Sanso. C'est vrai que c'est peut-être que les PSP sont sortis, voilà. Il y a 4 figurines. Voilà. Je sais plus qui s'appelle Angias, Oliveira, Ramsa et Beltia. Voilà. Sur NX. Donc c'est vrai, donc ça c'est pour. C'est sorti pour la version PSP. C'était pour PSP. C'est ça. C'est vrai. Voilà, donc, ça j'ai essayé combien c'est que j'ai essayé, même pas 50€, même pas, c'est même plus. Voilà, mais là ça vaut pas du tout là. Voilà. Et j'ai pas ouvert, j'étais pas mais c'est là, ben, j'ai pas ouvert. Voilà. C'est fini pour tout ce qui existe en dessous. Avant de passer à la phase 4, du dessus, ça va. La partie au-dessus, ça va être terrible. Il y a de gros morceaux. Hein. Là, c'est énorme. J'ai dans l'eau, du coup, j'ai oublié. Le numéro 4 de l'époque, PS72, bien sûr. C'est FF12. La numéro 4 avec. Alors, je vais vérifier dessus, d'ailleurs, pour vérifier. Voilà, des cartes postales. Neuf à des cartes, c'est assez simple, pas cher. Hein. On est pas pris, je sais pas si Yuri fait ça. Alors là, c'est les canettes, ça c'est le film qui est au-dessus, après.
FF13, j'ai que 3 coquerines, pas tous. J'ai que 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4, je pense. Ouais, là, j'en ai que 3. Ah, si, j'ai que 3 coquerines. La playabilité. Alors, ça fait. Dans l'eau, hein. Là. Au plus en plus de façon, je sais pas si est dans l'eau, mais bon. Ah, là, façon. Il y a deux fois hier. Il y a deux fois en double. Non, à côté, parce qu'il y a rétro. Vraiment, ancien. Hein. Bon, on va voir. Parce que vous avez vu le dur que j'ai fait le mec, c'est ça, les mecs qui traînent, voilà, des trucs bien côté, bien intéressant. Le mec de Paris Stev, de l'époque, et Guys, le petit jeu que j'ai des mois sur le PSP. Donc voilà. C'est un cas qui est 62 gars à l'époque, il reste sur le premier. C'est pas bien voir. Non, voilà, c'est ça. C'est entre les petites. Dans le cas des FF8, Squall, Meilleur Hearts. Je vais vous montrer, mais avec la boîte, la boîte là, qui est du tour. Et à l'époque, c'était un Steve Collector. Il y avait le t-shirt avec qui est inclus. Regardez, vous voyez. T-shirt avec. J'aurais pas que c'était avant Noël. Donc c'était Noël, avec. Là, c'était vraiment bon, même pierre de baston, c'est magnifique. Ouais, c'était donc, ça c'est fait, voilà, après ceci, j'ai juste ouais. Là c'est tout ce qui est. Ah ouais, okay, c'est là. C'est celle de Xenogear. Le jeu qui est là-bas après. Voilà. Xenogear. Voilà. Alors c'est le côté rétro vraiment. Non, rétro, enfin, c'est une petite station, voilà. Alors vous avez le film Tactics. Tactique PlayStation Book, c'est une version de Great et après ça tout se normal. Voilà, 2005 toute l'époque, voilà. Une petite tactique, vous qui avez fait j'adore. Le FF9, version européenne. 4 CD. Le FF9 avec Xenogear, voilà. Japonais à l'époque. Il n'y a pas le livret dedans, mais le jeu, ça a dit que voilà. J'ai deux fois posé le 6ème. Alors deux fois, en fait. C'est l'époque, j'ai très vite quand même pour un jeu de l'époque. Voilà. Et du coup, dedans, hein, t'avais pas une démo. Si, je crois que j'ai vu avec les FFU dedans, c'est ça. C'est ça. Les FFU. Si, il fait des mots FFU dedans, des mots FFU, t'as inclus, c'est ça. Les FFU qui les inclus dedans. Voilà. Dans ce jeu-là, des mots FFU. FFU, hein. C'était avant, c'était. Et oui, FF8 maintenant, hors sa version de PS de l'époque, c'est-à-dire c'est après France. Voilà, FF8, le mode un peu foncé. Voilà, FF8, il est où? Il est où? Il est où? Ah, mais là, si. C'est juste que là, j'ai peur qu'il était pété, il est perdu, parce que là, c'est. Là, voilà. Ouais, le jeu à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, le jeu à l'époque, c'était. C'est de Michelin, hors taxe, je pense, parce qu'ils ont mis bien le jeu. Bon, à l'époque, c'était ici, c'était le jeu de base de la série, à l'époque, 500 balles le jeu, quoi. Voilà, c'est le tarif local à l'époque, les jeux PlayStation 1 en avant. Voilà. C'était côté jeu rétro, PlayStation 1, qui me reste. Donc, il y a d'autres qui sont encore, c'est dans les versions Final Fantasy 7, et ça, c'est dans les versions Final Fantasy 7. Enfin, dans les rétro, je fais dans l'ordre. Sur la main. Non, sur la main. Allez. Donc c'est dans l'ordre. Là, vous avez dans le Quest Heroes. Phoenix. Heroes de Pèze. Star Ocean 5 et NKT Face Fight. Elles sont belles également. Star Ocean. Voilà. Voilà. J'y pense, mais il faut le même. Ah, il avait là, c'est bon, j'ai joué, voilà, et c'est bon. Là, vous avez ici le fameux Zodiac Job, le fameux Zodiac 12, le Master PS4, voilà, sur la version de Venise, sûr, voilà. Et le Secret of Mana, voilà, européen, ça aussi, il n'y a pas de canon, voilà. Voilà. Reste vide, voilà, c'est bien ça. Et puis, je sais que c'est le seul TDS de FF15. C'était à l'époque, j'ai prévu, c'est sorti avec le marque. Ça, c'est juste le boîtier, le truc là, il est au-dessus, du type 0.
voilà, avec un CD audio, les jeux à part, voilà, tout ça. Il y a plus de goodies que de goodies, voilà. C'est type 0. Là, vous avez le F15 de ce collector. Il faut que je l'achète alors, parce que c'est vous, quoi, avec les jeux Blu-ray et le film, alors, à côté. F15, Luxe Edition. Lucidia, French Vision Unity, la japonaise, ici même. Vous avez encore une fois l'LFF15, version normale, des one, voilà, en plus. C'est le Nier Automata, la japonaise de l'époque, enfin, c'était en 2017, Nier Automata japonaise. C'est le Nier Automata que j'ai racheté récemment durant les soldes, c'est le début de 15€, le jeu le game Edition of the Euro Adada, je viens de lire, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai ouvert, je vais vous donner la part. Là vous avez le Disney Frenzy en 9, vous pouvez ouvrir, voilà. C'est le. Vous avez le World of, voilà, je l'ai plein de fois, version japonaise, World of Fantasy. Allez, tu vois. Le World of Fantasy, c'est la première fois, en l'occasion. Enfin, on peut le trimmer, il est ouvert, quoi. Et en version 9, pour ouverte, voilà, c'est bon. Encore une fois, la version spéciale limitée, avec qui a inclus, voilà. Ça va. On a dit que vous allez voir en fait, automatique. La spéciale cadeau, ça fait pas mal, c'est ça, c'est un cadeau. J'avais le FF12 en version européenne et limitée Steelbook, qui est ouverte. Je vais essayer même pas avec 15€, je pense. Voilà, la promo, on va aller. Alors, je dis, la version japonaise du 12 normal, classique, en version PS2, hein. La version Zodiac Job, un système, la de toujours limité avec un set de DVD inclus, neuf. Là, vous avez deux petits Bouncer, sur japonaise, de l'époque, enfin, la version après, sur la version Jumbo, ça vaut beaucoup pas de ça, je ne parle pas de moi, ça. Voilà. Bouncer, avec le code de la carte de FF12, la team. Yuna, châtiment vraiment, Yuna, V12. C'est une fière pour ça. Là, c'est l'FF, le FF13, 13-2 et la Signature, donc ça, c'est normal, ouais. Là, vous avez encore des jeux. FF10-2, en version 60, style Postbook, ou sur un coco avec le cover, à ce moment-là. Vous avez le Lightning Return, encore une fois, ici, en son steelbook. Vous avez Nier, plus court, et sur la chaîne 4, Last Hope PS3. Là, on arrive au jeu PS2, PS8, tout là. On va voir là-dessus. Avec les cartes de FF7, on va voir en l'eau. Allez, je PSP, parce que je sais plus que... Non, je sais pas, une fois. J'ai fait dans ce qui m'a... Pour seulement. Voilà. Voilà, petit goodies dans l'eau, petit goodies. Voilà. De City of Vanity, Fantasy, Noctis, son petit keyholder sympathique, avec les stands, voilà. C'est bon, c'est 500 yens, ça c'est bon. World of Fantasy, ça ressemble japonaise, sur PS Vita. Voilà. Et également, sur Open, bien sûr, c'est le rock, World of Fantasy. Là, il y a un jeu PSP, il y a pas mal un petit peu. Il y avait le collecteur de Third Birthday, Project Dev, le collecteur avec le tierbook, le jeu en neuf, c'est pas ouvert. Et la seule manette, justement, et déjà pareil, ouvert. Moi, j'ai débranché là, avant que j'ai fait voler. Là, on avait le Dissidia Universel de Turning, sur Fantasy, la version japonaise, et ça, ça s'arrête, il y a un ou deux, je pense. Le Dissidia Duodécim, la version japonaise, voilà. C'est une des tactiques tout à l'heure en PS69, voilà la version japonaise PSP, voilà. La fin vous dit en version espagnole, voilà, c'est PSP. Le Type 0, sur PSP. Le Dissidia 02 du Team en 9, enfin le jeu ouvert, mais le jeu ouvert, mais le jeu 9 il est ouvert, parce que moi j'ai joué, donc le jeu européen il n'est pas ouvert. Le 9 là-dessus. Le Dissidia Fantasy espagnole et le Dissidia européen, Fantasy. Enfin, c'est tout, on arrive à ce finish de cet étagère-là. Il reste plus que deux étages, on arrive à vous. Allez, comme à la roue. Allez, encore un petit effort. Un petit effort. C'est pas ce que c'est. Voilà. Ouais, elle arrive. À l'avant d'un étage,
Ouais, là c'est le plus lourd, c'est le crescendo. Hein. Là, simple, ici il y a du Final Fantasy, toujours, FF 13 et les FF 19. FF 10, 10, 10, 12. Alors là, je prends ce qui se passe sur la main, ce qui prend sur la main, ce qui prend c'est la même petite figurine de FF 10, voilà, c'est petite figurine, je suis pour quelques games. Et là, t'as Zidane, dans son cristal. Zidane, hop là, son cristal. Je pense que c'est ce qui passe sous la main, voilà. Le fin d'ici des jeux, ça ne sera pas une PS5 Vita. Voilà, de toute façon, parce que le jeu est en débat, hein, parce que en fait, c'est des dérivés. Voilà, alors vous avez ici, je pense qu'il y en a ce qui est quand même, le CD audio Fantasy 10 et Master, c'est en version Blu-ray. Alors, on avait l'émission, parce qu'il n'y avait pas que ce CD, là, c'est la version Blu-ray. Voilà. Les filles, vous avez ici. Une épée, l'épée de Tidus, épée, la blade, voilà, effectivement, épaule, voilà, c'est pratique. Ça, c'est plus que, voilà, du holder, comme d'habitude. Là, vous avez le petit CD audio de l'époque, quand il y avait la version du jeu, et il y avait ça, le petit pamphlet, là, enfin, le petit moufoulard, là, de FF10, à l'époque, et CD audio, quand il y avait la version de l'époque, en ce moment-là, ce que j'avais eu par Mike à l'époque, en 2001. C'était, comme je pense que c'était en août. Les 4 postales de la FF10, Fast Card, qui marche encore de l'époque, bien sûr. Voilà. Les 4 postales, il y en a pas mal, un petit peu. Voilà. Vous avez ici les petites figurines Coca-Cola, qui est sorti à l'époque. Vous n'avez pas l'acheter. Les petites figurines, il y en a pas mal. Il y a du Shemur, il y a du Aaron, il y a du Waka, Kimani. Encore du Aaron. Donc, du Aaron, il y a deux fois. Les Vacébrans, les Riku, Coca-Cola, et là, la figurine de Yuna, le Gunblade, tu prends ce clé, voilà, tu vas avec, ça s'appelle Yuna Usel Strap, tu peux le voir sur le top, tu veux, tu peux mettre ça sur lui, de manière. Voilà. Alors, j'avais ici, trois trucs passent de là, là, si, donc, il y a ici Pain, là, voilà, Pain. Et ici, Evita, le collector, sorti en 2013. Alors, c'est Evita, il y avait avec. Alors, nickel. Je vais allumer un petit peu pour vous dire ce que vous avez. Moi, j'ai allumé ce qu'il y a, tout ça, voilà. Voilà, petite platine effectuée à l'époque. J'ai fait que ce PSP, hein. vite avant. Parce que c'est juste un petit plaisir. Voilà. Et donc voici la petite. Je voudrais vite fait la figurine, vite fait. Voilà, ça arrive. La figurine Yuna, voilà. Yuna, petite figurine. Deux qui pas dur. Voilà, vous avez le débasement. Petite Dus, voilà. Là. La boîte, la petite Dus, voilà. La résidence box, la boîte, voilà. J'ai acheté en 2014 que j'étais en voyage pour environ pas trop cher, je pense, à l'époque. Voilà. Déjà, j'ai regardé, là, dessus. La petite boîte, le petit résidence box, le remaster Twin Pack. Là, c'est des jeux Evita en boîte, hein, je suis dedans, je sais pas, j'ai pas mais grave. Donc, les jeux, voilà. Là, ici, derrière, vous avez un peu la gueule. Elles sont PS3 européennes. 10-2 en fait, PS3. Ah, voilà, ici, là, j'ai bien un truc. Bon, je couperai mon trajet. Je reviens dans quelques secondes. Voilà, de retour, toc toc. J'ai oublié que mon FF décidé, PS4, remaster, voilà, c'est la version classique qui est là. J'ai dû être là, mais j'ai vu l'utilisation que j'avais. Voilà. Là, j'avais la version japonaise également, hein, sortie un peu avant, PS2, sans PS3.
Alors là, c'est la version originale, vous allez voir, la version originale de l'époque. La version 2, il y en a un paquet, vous avez vu l'autre fois. Hein. La FF10 standard, la FF10 normal, le reste aussi. Le Lost Mission, le Lost Mission, la FF10 normal, la FF10-2. Alors c'est ça. La FF10-2 normal, c'est son PS2 de l'époque, c'est tout gardé. Enfin, bah, non, c'est là, tu gardes le Japon après, mais là, on va le 2000. Voilà. Derrière, vous avez une petite dédicace, je vais vous montrer vite fait, si je peux la sortir. Dédicace. Le Blanc Fouzi est dédicacé pour moi, hein, pour, avec le producteur exécutif. Hein, et Cindy, et ses photos, rencontrées lors de l'événement de l'Expo en 2017, je pense, ou 2016, je ne sais plus, voilà, j'ai marqué, et les photos, voilà, dédicace, le Blanc Fouzi est dessus. Voilà. J'ai également dédicacé mon Kingdom Hearts Santa Pack PS3, dédicacé, et là, ça avec, en plus, c'est pas si c'est pas si ici. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive FF13. Voilà, bon, ça c'est déjà un truc qui on va pas. Ça, on revient ici. FF, l'agriculteur, voilà, que tu es dans le collecteur. Sur le Facebook, j'ai deux fois. Voilà, FF13 et 13-2, le collecteur. Devant, vous pouvez voir la petite figurine, la vue tout à l'heure, de Snow. Fang, Lightning, et Lightning, on a une petite version comme tout à l'heure, la même que celle-là, une petite figurine que World of Fantasy sur Lightning en petite figurine. J'ai pas dû le bras avec la lance, malheureusement, je pense. J'ai eu peur, alors c'est possible. Je vais juste avoir comme ça maintenant. Des petites. Ce qu'il fallait, des petites PVA, des questions, ça. Lightning et puis ça j'ai oublié son nom, le boss de faire plus. Keyus, voilà. Et derrière, la petite figurine de Lightning, ceux qui achètent Japan Expo il y a un ou deux ans, le choc, c'est même bien foutu. Voilà. Voilà, c'est fini pour. Ah, là, il est pas fini, il y a encore le collecteur de Steve Zero, son PS4 collector, avec le tout à l'heure, vous avez Steelbook, les cartes, un manga et un artbook, quoi. Voilà. Ah, c'est ça, pour maintenant il est bien rare, tu vois. Voilà, c'était Philippe, c'était ça. Mais là, le gros morceau, le dernier, le plus gros, le plus court, ça va être rapide, mais c'est plus haut. Voilà, je vous montre ça vite fait. On arrive après. Vous y êtes pas. Voilà, on arrive au gros morceau, mais moi. Voilà, bon, ça c'est dans tout ce qui est. Alors, c'est pas le plus gros. C'est la main, la petite boîte d'FF7. Il y a un t-shirt à part, je pense qu'il est dedans. Je l'ai mis dans le t-shirt. Voilà, c'est pas le jeu, parce que je l'ai volé à part. Le t-shirt et le poster, il me reste encore. C'est tout ce qui me reste du petit collector et les cartes postales et les mémo cartes, tout ce qui me reste. L'époque, il y avait le jeu, le t-shirt, la carte noire, le truc et les posters. Bon, ça. C'était l'époque sur le jeu, c'était quand il y a faim. Maintenant, il y a rare collector. En neuf surtout. Toujours, enfin, c'est, voilà, faut garder les neufs. Là, c'est le boîte du package Fantasy, qui sont japonaises du. Vous désirez le 4, 5, 6, bon je vais aller dedans. Là, on le voit tout à l'heure. Là c'est encore des cartes. Alors, je fais le 7 ou 600 yens de notre ami Hope. La figurine de Luna, Linoa Atli, qui est sur la façon spéciale de façon invisible. Vous pouvez le voir. Bon, en fait, quand non, c'est juste que. À l'époque, j'avais passé ma soeur, mon frère, à l'époque, le chien a mangé. Personne. La figurine, elle est morte, ça, elle est morte. Mais et est-ce que la boîte, c'était pas mal déjà. Voilà, boîte. Par contre, Squall, c'est vrai, Squall, il est comme vivant. C'est ceux qui restent là. Squall de l'époque, ils sont sortis en 99. N'est-ce pas? Squall, Léon, Ert, et Vira. Il n'a pas écouté 219 balles, ça fait cher. Hein. Moi j'ai payé ça 250 euros, je crois même pas, pour 100 euros pièce la figurine. Voilà. La gueule. Voilà. Là c'est tout à l'heure, c'est le package du stand tout à l'heure de Lightning, le stand FF13. Voilà. Et ça.
vite fait. Là, c'est FF, la boîte. Colère FF 3, la Lightning Return, c'est aussi. Ouais, fait 10 mais pas la Lightning Return, celui-là. C'est quand tu peux pas acheter la version que t'as passé, tu peux acheter ça à la place, c'est moins cher, c'est le meilleur. Mais bon, après, il y a un gros morceau, une version vite fait, pas trop long. C'est le package 13-13-2 et la Lightning Return, dans un sens label look. Alors, c'est vite fait, parce que c'est eux qui vont créer mon truc, mais c'est assez encore grand. Voilà, c'est le package japonais. La Lightning Return qui coûte une blinde, non? Ouais. Allez, on va rentrer vite fait, même pas fait le technique. J'ai ouvert ça à l'époque, on a mis ça, j'ai vu. Là, je vois que je vais vous montrer les fichiers aujourd'hui. J'ai vraiment vu ce truc. Parce que c'est pas souvent. Mais... C'est bon parce que vous les insistez pas. Ils sont tous prêts à faire ça tous les jours. Ça, c'est le cover à la boîte qui est comme ça. Cover à la boîte, cover. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Avec ça, ça va, parfait. Voilà. Le package. Qu'est-ce qu'il comprend, voilà, il comprend tout est dedans. Les meilleures musiques, les figurines, le jeu, l'artbook et tout ça, bah, tout ce qu'il faut. Voilà. Et tout ça pour. C'est vendu sur Square Enix Shop à l'époque, 250 balles quoi, après. Ouais. Mais là c'est pas très grave, je ne le cache pas. Voilà. La boucle, il est. Pourquoi ah, c'est pas ce que j'aurais vu. Alors, voici les trois versions des jeux. En sa cover inédite et uniquement dans cette version, tu n'as pas ailleurs, évidemment. Donc, ça sera vite fait devant l'écran. Avant de montrer la petite figurine vite fait. Alors, voici le petit CD audio. C'est de remix. Enfin, un mix, non, c'est de tout un CD en 3 CD. Donc, si tu n'as pas de CD, tu as ça d'or, c'est pareil. Bon. Vu que j'ai les 3, donc c'est pas si inutile. Voilà, c'est le box ultimate, box, c'est le soundtrack. Et là, vous avez les 3 jeux dans la version inédite, le cover inédite qui est que dans ce box là. La simple 1, 2, j'ai jamais ouvert, vu que j'avais déjà avant. C'est inutile, hein. Et le saut, je vais faire que je suis là. À l'époque, j'avais pas acheté le son après, le verre que je suis là, dans sa version cover inédite. Ça va rendre une part ailleurs. C'est génial. Voilà. Là, vous voulez montrer du vite fait, mais vraiment vite fait, parce que tu gagnes, c'est chiant à sortir. C'est la figurine de la Lightning Return sur la version Splay Art, qui va du que dans celui-là. Oui, elle n'est pas vendue ailleurs. Enfin, non, enfin, si, oui, non, enfin, je vous explique. C'est qu'il est vendu, il est différent, ailleurs. Allez, hop. Ça sort pour juste de faire un peu comme ça pour montrer ce que ça donne. Voilà. C'est ça. Voilà, puis Splay Art. Je trouve la chose que l'épée et le bouclier est différent de la façon normale des jeux. Sortir au magasin, c'est juste ça qui forme, mais bon, ça fait que là, il dit d'ailleurs. Mais non, c'est le paquet des jolis, voilà. Donc c'est. Je pense que c'est tout pour. J'ai dû le sortir une fois pour une photo, mais non, j'ai encore les traces, mais pas tout. J'ai tout que j'ai plus. J'ai pas envie de la rendre en entier. Voilà, je pense que je peux ranger ce bordel. Ouais, ça, le reste c'est juste les cafés seuls, voilà, et le site de Comapet qui rentre dans les disques, voilà, c'est tout. Hein. Quand il y a eu des nouvelles décorations, voilà. Donc je pense que c'est fini pour cette petite collection. C'est long, voilà, donc je peux passer la vidéo. Si vous l'appréciez, imaginez de me faire un commentaire, un petit pouce, voilà, mais sinon j'ai ouvert toutes les collections même. Voilà, je vais sur le joli. Demain je fais la version de Blaise, oui, papa, voilà. Donc je savais que ça allait être long. Alors je vous laisse là-dessus, bonne journée, à bientôt. Je vous laisse, c'était la fin pour la vidéo sur X. Ah non, attends, j'ai fait un truc en plus, après ça. Non, je coupe le web, mais je vais vous montrer ce que je veux après. Je vous ai pas sur toute présentation du salon pour voir la collection sur X. Et voilà, sur X, FF7 et Kinemars. Un salon, juste après, maintenant, à de suite. Lightning Redux Box. Special package. Il était caché dans la boîte de la Nintendo. La boîte de ça, parce que j'avais mis ses consoles. Il était caché dedans. Et on peut le chercher longtemps. Hein. Ça, c'est petit.
Ah vas-y grand, je montre le machin là. Donc il y a un petit poster sympathique. De la... Ah oui oui, j'ai aussi un bref et tout. Ça là. Ça, j'ai aussi, un poster géant dans le salon aussi. Ça c'est lui non plus que j'ai pas vu, vu après. Parce que. Voilà, ça. Voilà, ça c'est un petit poster. J'ai cassé la balance de Feng. J'ai dû perdre heureusement ou je sais pas où c'est, alors dommage, ça arrive. Moi je vais faire 7 sur le net, pas trop cher, environ Japon. Voilà. Il y a ça, donc c'est un petit poster. Et après t'as une petite interview des créateurs. Voilà. Voilà. Il n'a pas fait les rushs. Et d'ailleurs t'as une petite interview du staff que j'ai jamais lu, je pense. Voilà. Le staff Latin Interns, tout ça, designer, c'est ce numéro 1, il se quitte assez. Tout le beau staff, voilà, beaucoup de ça, c'est tout le reste qu'il n'y a pas. Voilà, c'est petit pour ces petits extra de collection qui restaient dans l'eau. Après, je vais dans le salon une fois que j'ai rendu tout ça. A tout de suite. Non, voici les collections en vrac. J'ai début à la fin, on peut se filmer comme ça, dans la malle, voyez. Donc en bas, vous avez tout ce qui est bordel, un petit peu. Les guidebooks en général. En français, plus les guides, ouais, ça va aller. Du bout de moins, on va voir, justement, sur les guides, donc ici, il y en a pas mal. Voilà. Là, ça, c'est les guides français, en général. Au-dessus, tu as les guides français, on va voir aussi. Et le reste, je vous disais, j'ai vu ça tout à l'heure, il reste plus que ça avec Zengir. C'était cover des guides japonais à l'époque sorti. J'ai plus. Et le reste, c'est tout ce qui est guide japonais, en général. Il n'y en a pas mal. Des guides, des pamphlets, des cartes, des goodies, des accessoires, enfin des. En flèche, tout ça, tout ce qui est japonais, ultimaillard, il y en a tellement. Il y a un gros paquet, oui. Au-dessus, donc, c'est tout ce qui est goodies autres. Il y a les figurines de New Asmata, le dédicacé de CD audio Cotalo, le CD audio par ici, par voilà, des goodies, des figurines, des accessoires, vous voyez. Une figurine, des cartes, voilà. Au-dessus, ben, c'est tout ce qui est autre. Enfin, il y a encore les goodies, encore, des cartes. Et puis des jeux au fond, les jeux PS1 portable, PS Vita au fond, PS3, PS4, ouais. Un petit collection là ici, les PlayStation au-dessus, ben, c'est tout ce qui est FF10 et 10-2, FF13, voilà, c'est le type 0, ouais. Figurine, voilà, c'est perdu celle de. Voilà. Là, c'est le duo, enfin le Blu-ray. Les dédicaces de Shinji Hashimoto. Voilà, ce qu'ils vous disent de l'époque, les jeux aussi. Et de l'époque encore, qui me reste encore. Ouais, au-dessus, bah, autre figurine, autre boîte, le Heart, Squall, le boîtier, le cover de 13-2, Lightning, et le coffret collector King Ultimate Box, uniquement. Voilà. Après, c'est tout ce qui est ici. Maintenant, dans le salon, vite fait, on va voir le salon, ce qui est living room, voilà, le salon, ce qui me reste, le goodies, alors, à part, il y a un truc intéressant. Alors, j'ai oublié qu'on avait à l'arrache, donc c'est couperait au montage. Alors, ici, t'as le petit, faut dire, bon, je vais appeler le scroll wall, le FF10-2, FF10, pardon, le petit scroll wall, voilà, ici. Voilà, il ne reste plus que ça, voilà. Là, vous avez le côté Kingdom Hearts, ici, avec la clé récemment achetée, le Kingdom Hearts, voilà, là, ici, Kingdom Hearts Collection. Voilà, vous avez vu le jour, vous reverrez ici vite fait un peu l'impression que ça donne, voilà. Kingdom Hearts, tout ce qui est là, Kingdom Hearts Collection, c'est pas mal, voilà. À côté, vous avez tout ce qui est Final Fantasy, donc là, le t-shirt spécial Kamui, du cosplay, que j'ai vu en 2018. Là, c'est le côté FF7, oui, c'est exprès, ça va, tout est exprès. FF7, voilà, tout ce collecteur, vous demandez les jeux, les boîtes, les goodies, tout ça. Et par en dessous, voilà. FF7, c'est pas mal. Et encore, il y a la place pour le 13 remake. Le 7 remake qui sort dans quelques mois. Pour repousser un peu. Voilà, c'est. Et pour finir, voilà, ça c'est tout, il reste le bordel. Et pour finir, tout goodie en plus, là, c'est FF13, Lightning Returns, un petit scroll également, scroll roll sorti, en exercice, occasion en offre, voilà, pas trop cher, ici dans le fond de télé, voilà, le scroll roll de FF13, Lightning Returns. Voilà, qui me l'amènera. Voilà, c'est tout ce qui est. Voilà, on arrive à son enfant au bout. Voilà. Je rabaisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est long à faire, mais le montage à faire. Demain, j'abonne.
Après avoir fini tout ce qu'il y avait à faire pour toutes les vidéos à faire ce mois-ci. Ouf, j'ai galéré. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus. Voilà. Si en plus de FF12 que j'ai merci les vidéos. Je vous laisse sur les vidéos. La prochaine photo vidéo, allez voir, je vais me reposer. Je vous dis, voilà, ça va voir. À bientôt, bye bye. Merci.